Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Bien, il est temps de voir ensemble les nombres japonais. Alors, les nombres japonais, déjà, comment ça s'appelle hein Voilà le mot kan-suji. Alors, c'est composé de kanji, vous connaissez le mot, et puis suji qui veut dire... Euh, les nombres, tout simplement. Donc kan suji, bah en fait hein, littéralement les caractères numériques chinois. Effectivement, les nombres en japonais ne sont pas un système d'écriture à part comme ça peut être le cas chez nous avec les chiffres arabes. Ce sont bien des kanji à part entière que l'on va d'ailleurs lire en lecture sino-japonaise. Et oui, oui parce que ces nombres, on va les combiner pour créer bah, des nombres, des nombres, des nombres beaucoup plus grands, etc., etc. Du coup, bah, combinaison de kanji sino-japonais. Du coup, on va lire tout ça en lecture. Sino-japonaise. Je rentrerai un peu plus dans les détails plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Alors, ce qu'on va voir là, c'est ultra, ultra important. C'est pas compliqué, mais bon, ça demande un petit peu d'attention. Euh, du coup, soyez concentrés, ça va le faire. Alors, déjà, je vous mets notre liste hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On aura même un 10 en japonais, puis on verra qu'on pourra peut-être aller un peu plus haut. En japonais, Ichi. Alors, je vous mets bien la lecture en katakana. Il s'agit bien d'une lecture sino-japonaise du kanji, de ce kanji-là qui signifie donc un. Kanji est facile, je pense que ça va. Ni. Ici, il n'y a pas d'erreur, hein, euh, la lecture, c'est ni. Donc, la lecture, du coup, en katakana ressemble vachement au kanji. Alors, pour être exact, hein, si vous regardez bien, euh, les traits du kanji sont un peu plus longs que ceux du katakana ni. San. Jusque là ça va. 1, 2, 3, c'est facile. Chi. Si". Ça ressemble un peu à un carré, quatre côtés, ouais, d'accord. Go. Bon là, si on regarde bien, on a un peu la forme d'un 5 hein, avec des traits qui dépassent, hein, ça ressemble. ROKU. SHICHI. Alors Shi Chi pour le coup, il ressemble vraiment à un 7 à l'envers, si vous regardez bien. Sympa, hein Hachi, ku, jiu. Et puis, je vais même vous mettre 100, hyaku. Prononcez bien hyaku en deux syllabes, et 1000, sen. Voilà. On aura effectivement des unités pour dire 10, 100, 1000, alors c'est quelque chose qui est très différent des chiffres arabes. Ne vous en faites pas, ça va très bien se passer, vous verrez, c'est très très facile. On va avoir quelques petites particularités de prononciation sur euh, quelques-uns euh, de ces nombres, notamment le 4. Alors, le 4, il y a un petit problème parce que shi, c'est un homophone. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de kanji euh, qui, en lecture le japonaise se prononcent shi, notamment celui de la mort. Et ça, ça pose problème parce que dire chi quand on veut dire 4, bah ça sonne un peu comme si on disait la mort, et ça, ça va porter malheur au Japon. Du coup, les Japonais, ont, bah, du coup, un gros problème, il y a une superstition absolument énorme, incroyable autour du nombre 4, euh, dont la lecture sino-japonaise est, sino est homophone avec celui du kanji, celle du kanji de la mort. Euh, et c'est complètement dingue, c'est complètement dingue, hein. au Japon, euh, le chiffre 4, c'est le chiffre porte-malheur, nous c'est le chiffre 13, bah eux c'est le chiffre 4. Euh, dans les avions japonais, il n'y a pas de siège numéro 4, euh, dans certains hôtels japonais, il n'y a pas de chambre numéro 4. Et puis, même dans certains euh, immeubles japonais, il n'y a pas de quatrième étage. Hein. Vous regardez dans l'ascenseur, bah, on passe directement du troisième au cinquième. Voilà, euh, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, cinquième. Ils n'ont pas mis de quatrième étage, comme ça, euh, pas de superstition, ça ne panique pas, ça ne panique pas les gens, etc. etc. Euh, bon, ce n'est pas le cas de partout. Il hein. y a notamment certains autres immeubles où le quatrième étage est utilisé pour stocker des cartons. Hein. Comme ça, personne n'y va, ça dérange personne. Mais, mais c'est dingue, c'est complètement dingue, hein, cette superstition incroyable qu'il y a au Japon autour du chiffre 4. Voilà, c'est quelque chose d'assez euh, ouf, attendez, je prends une note. Hein. Euh... Excusez-moi. Euh... Donc c'est complètement fou, c'est complètement fou. Et du coup, les Japonais vont y remédier. Comment bah, En lisant avec une autre lecture le chiffre 4. Le kanji hein, de, de, du chiffre 4. Comment ils vont faire bah, C'est simple, ils vont prendre la lecture purement japonaise de ce kanji. Bon, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. On verra bien plus tard que tous ces kanji ont également une lecture purement japonaise, dont on va pas trop se servir d'ailleurs. Mais bon, bah, pour le 4, ouais, on va s'en servir parce que ça permettra bah, d'utiliser le 4 sans avoir à dire chi. Du coup, cette autre lecture, c'est yon, que je vous écris ici bien en hiragana, parce qu'il s'agit de base de lecture purement japonaise du 4. Ok. On a un autre petit souci avec le 7. Hmm, shichi, euh, on va souvent. En fait, on a peur de le confondre tout simplement, alors déjà avec chi, et ensuite avec Hachi. Hein du coup, bah, c'est pas évident. Du coup, bah, pareil, on va prendre la lecture purement japonaise du 7 qui est Nana, que je vous écris donc bien en Hiragana. Euh, certaines personnes disent que euh, Shichi. Euh, on l'aime pas trop parce que c'est homonyme, c'est homophone avec euh, ce mot, en on dit un hein, shichi qui veut dire terre de mort, hein, une terre avec plein de morts, etc. C'est etc. Oh, vrai que c'est pas très joli, ça je sais pas si c'est vraiment officiel, euh, mais quoi qu'il en soit, on utilise nana. Et puis on a aussi un problème avec le chiffre 9, Q. Hein, « euh, ku » qui euh, est aussi en, en japonais la lecture sino-japonaise de ce kanji, qui est le kanji qui veut dire souffrance. Et oui, un kurushi en purement japonais. Donc un hein, qui est donc homophone avec la souffrance. Du coup, bah ça passe pas très bien. Alors, ce qu'on va faire ici, on n'a pas pris la lecture purement japonaise euh, du chiffre 9, mais on a pris une autre lecture sino-japonaise. C'est un, un kanji qui a deux lectures sino-japonaises. Euh, qui va être Q. Voilà, donc je vous l'écris bien en katakana, c'est une lecture sino-japonaise, alternative. Q ou Q. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci. Euh, pour l'anecdote, euh, un de mes tout, mon tout premier professeur de japonais, qui euh, était une dame qui s'appelait euh, euh, Mar Marais, pour le coup qui était mariée à un français, mais euh, qui, qui était japonaise, hein. euh, donc madame Marais, nous expliquait que quand elle était euh, étudiante, euh, son chiffre d'étudiant c'était 49. Et du coup, euh, elle, elle, elle bah, lisait ça comme la souffrance jusqu'à la mort. Hein, vous voyez, la superstition jusqu'où ça va. Et du coup, elle bah, se sentait assez mal d'avoir été euh, numérotée 49 en tant qu'étudiante. Et Voilà, il y a quand même au Japon une super superstition au niveau des nombres, des chiffres. Alors oui, je dis soit nombre, soit chiffre, il hein, n'y euh, a pas vraiment de terme, hein, vu que ce sont des kanji, je dis une fois nombre, une fois chiffre, il euh, n'y a pas de, de véritable mot précis, hein, on sait qu'en français, un nombre et un chiffre, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, je dis soit l'un, soit l'autre, pas de souci à ce niveau-là. Donc, voilà mes nombres japonais. Alors, je récapitule. 1, ichi, 2, ni, 3, san, 4, shi, ou bien yon, 5 go 6 roku 7 shichi ou bien nana 8 hachi 9 ku ou bien kyu 10 ju 10, 100 hyaku 100, 1000 sen 100. voilà on a tout ça on préférera utiliser euh, pour le 4, le 7 et le 9 les lectures alternatives. On préférera utiliser yon, nana et q. Alors vous faites comme vous voulez, hein. si vous n'êtes pas superstitieux, vous pouvez utiliser chi pour dire 4. Mais quand vous parlez à un japonais, bah, préférez utiliser Yon pour pas le mettre mal à l'aise, hein. préférez prendre voilà, des gants, des pincettes, euh, pour que tout se passe au mieux lors de la conversation. Ces lectures purement japonaises, Ion hein, et Nana, on va les utiliser comme des lectures sino-japonaises par la suite. Alors c'est très bizarre, hein, ça vous montre à quel point la superstition pousse les Japonais à faire des trucs un peu bizarres. C'est des lectures purement japonaises, mais qui vont en fait être utilisées comme des lectures sino-japonaises. Donc voilà, je vous les écris bien en Hiragana, mais on va l'utiliser bah, comme les lectures écrites en Katakana, pour combiner des nombres, pour faire des, des nombres un peu plus, euh, plus élevés. Ok. On verra plus tard qu'il y a d'autres unités hein, au-dessus du 1000, etc. etc. Pour l'instant, ça n'est pas important, c'est un peu différent d'ailleurs, donc on se concentre là-dessus. Pour finir, je vous mets quand même le 0. alors le zéro qui ne va pas être utilisé pour compter en japonais, hein, comme c'est le cas notamment dans les chiffres romains, on n'utilise pas le zéro. Mais aujourd'hui, bah, c'est tellement euh, ouais c'est tellement célèbre le zéro de par bah, les chiffres arabes. Que on va quand même, bon, les japonais aiment bien avoir un petit zéro. Alors le kanji de zéro, c'est ça. Bon, on voit bien que bah, ce n'est pas du tout le même genre que les autres kanji de nombre. Euh, ça veut dire nul, néant, hein, le vide. Du coup, voilà, sa lecture sino-japonaise, c'est rei ». Ou bien on peut aussi l'appeler bah, zéro, hein, en katakana également. Et puis sachez qu'on peut également l'écrire comme ça, un, un joli cercle, un joli zéro. Les japonais font un zéro bien, bien rond comme ça. Un joli petit cercle, grand cercle d'ailleurs. Ok, on verra comment. Alors, ça, on ne va pas l'utiliser. Hein. Les japonais l'aiment bien parce que ça fait style. Hein. Ils s'en servent d'ailleurs beaucoup pour faire. Euh, ouais, des, des... Ça, ça fait stylé en fait. Hein. Par exemple, dans des titres de jeux vidéo, par exemple, euh, Final Fantasy Type 0, si ça vous parle, hein, qui se dit en japonais Reishiki. Voilà, on retrouve notre Re, hein, notre zéro. Et puis, par exemple, bah, bientôt sur Wii U, euh, Star Fox 0. Donc, sur la boîte japonaise du jeu, vous avez le, le grand kanji, bam, de zéro, comme ça, en gros, euh, Star Fox zéro. Ça fait stylé de mettre des zéros de partout au Japon. Ok. On verra hein, euh, plus tard d'autres utilisations du zéro, notamment lorsqu'on fera les dates, mais on n'y est pas encore. Alors, tous ces kanji, du 1 au 1000, apprenez-les, apprenez-les. Si vous n'avez pas encore fait l'effort, si vous n'avez pas encore commencé à apprendre des kanji, je veux que ce soit vos premiers kanji, absolument, apprenez-les, apprenez-les, ils sont pas compliqués, euh, ils vous permettront de faire plein plein de trucs, de manipuler les nombres de manière très facile, vous verrez que c'est quelque chose de très facile en japonais, apprenez-les bien, euh, ils vous seront utiles, euh, j'espère, toute votre vie. Et maintenant qu'on connaît tout ça, ben, on va pouvoir commencer à les utiliser et à apprendre à compter en japonais. Mais avant ça, je vous donne vos exercices, alors bon, quelque chose de très facile, euh, je vous écris les kanji, des nombres, et puis je vous demande tout simplement à côté bah, d'écrire l'équivalent en chiffres arabes, hein, histoire de bien bah, les, acti les activer, les utiliser, première utilisation, hein, première approche, euh, et puis bah, je vous fais la même chose dans l'autre sens, je vous mets des chiffres arabes, je vous demande de m'écrire à côté le kanji, et puis vous m'écrivez également la lecture en katakana, comme ça ce sera bien complet, euh, c'est un bon exercice bah, pour du, du coup vous, vous, vous entraîner hein, à écrire euh, des kanji. Ok, chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours.